Ce chiour est Leilou Nishmat, Rivka, Anaël, Bat, Régine, Zaharo, Zéro. Zéro. Je parle des fautes. Et c'est Leilou Nishmat. Gam Leilou Nishmat, Hayanim et Ketushim. Le Avdil ben Hayim, le Ben Metim, Ken. Sylvia. Le Rifuat, Sylvia. Simcha Batiakot. Simcha Batiakot. Les Arachel Batsim. Les Arachel Batsim. Et le Fabera Chiyo, Shlomo ben Raïda. Shlomo ben Raïda, Yedi Deno Ayakar. Et également, les fois tous les Hayalim, ce que je vous ai dit plusieurs fois, l'histoire qu'on ne racontera pas, tous ces Hayalim qui sont grièvement blessés, ceux qui ont perdu un œil, ceux qui en ont perdu deux, ceux qui ont perdu une oreille, ceux qui ont perdu deux, ceux qui ont perdu un pied, ceux qui ont perdu deux, toutes ces tzadikim que l'on rencontrera dans notre vie, mais ils ne sont pas dans le décompte malheureux des halalim. Parfois, c'est, je ne sais pas dire si c'est pire ou c'est pas pire. Enfin, le matzav, le traumatisme, là, le tremblement de terre est terrible. Il y en a beaucoup. J'ai vu à la yeshiva quelqu'un qui a un des... On avait un blessé la semaine dernière de la yeshiva, le mefaked Namer, qui a... On a reçu jeudi une oda beroula prier pour Arié Batvered, qui a été blessé. Lundi soir, je viens pour faire des photocopies. La photocopieuse à l'échine. Je le vois. Un peu comme quand j'ai fait comme ça, j'ai dit, mais c'est lui, c'est pas lui. Il y a encore deux jours, on priait pour lui. Il m'a dit, c'est bien moi. J'ai eu un miracle. J'ai été blessé d'un Hedef, d'un Nuntet, qu'ils ont envoyé, un missile qu'ils ont envoyé sur un tank à côté. Moi, en tant que Mefaked d'un tank, on était Meafter Sayeret Matkal pour arriver vers des Yadim et Mesuyamim. Mais en tant que Mefaked, tu vois, c'est comme si tu ne veux pas écraser les Hayalim. Donc, quand tu as la tête dedans, tu vois dans une fente. Donc, je suis monté et pour voir, pour pouvoir conduire. Il y a une tête du Hedef, je me suis ouvert le crâne et je suis tombé en arrière. Il y a aussi une partie de mon cerveau qui a été touchée. Pinou Otimiyad, avec un massoc à Soroka. Il m'a dit, le médecin sur place, il a ouvert, il m'a dit que j'ai le crâne ouvert, que j'ai le cerveau aussi qui est touché. J'ai appelé ma femme pour lui dire, tout va bien. On m'a fait une opération de quelques heures. Ils m'ont mis du platinum dans le crâne pour recoller. Mais dit, après, j'étais amusé pour tous les médecins de voir que Yeshli tifkoud de tout, même si le moir, que le MRI ou l'auto-M, la mitziout. Le MRI, ils ont vu que le cerveau a été du HDF, le cerveau a été touché. Le crâne a été ouvert, le cerveau a été touché. Et en fait, après l'opération, voilà, c'était jeudi soir, lundi soir, il est à Ramon en train de recommencer à étudier. Et en fait, c'est le NES. Il a besoin de départ du bas ou... Non, au début, je me suis dit non, c'est pas peut-être parce que je ne savais pas, peut-être que je ne connais pas, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai étudié, donc je croyais le connaître. Quand je le vois, je me suis dit, mais ce n'est pas lui. Après, j'ai vu qu'il a une cicatrice comme ça dans tout le truc ici. Et donc, j'ai vraiment vu ça. Et il m'a dit, j'ai su un miracle de refoua. Tous les médecins, ils sont venus les uns les autres pour voir le MRI, pour le voir Erzelo Toen. Alors, les chenissimes. On m'a dit, les chenissimes. Il est avec nous, et c'est pour ça que je dis ces hayalim là qui sont blessés, c'est notre mehouyavut moussarit. Encore une histoire qu'ils m'ont raconté au bnei pendant des années, genre avant le birkat hamazon, le hayal. Non, c'est un mehouyavut moussarit de prier pour eux, pour tous les malades. Il leur donne une fois chez moi, on entend tel et tel hayal qui est blessé depuis tant, qui finalement il tombe. Je dis, mais c'est pas possible, c'est maintenant. Non, c'était il y a 3 jours, c'était il y a une semaine. Il y a des gens qui sont vraiment gravement blessés qu'il faut. Il faut prier pour eux, c'est notre Akaratatov, Achib, Sissit, c'est notre Moussariot la plus élémentaire de prier pour eux. Les maîtres que Atamid Hacham doit prier pour un malade, jusqu'à ce qu'il tombe malade pour lui. Prier de tout son cœur, sincèrement. On est rentré dans une sorte de Shigra, mais Lo Yakum Veloye, un Shigra. On est en marathon de 42 km. 75 jours, plus encore, on est en marathon. Quelqu'un qui est en marathon, il est encore en... Bémétard, notre pilote, nous...
nos Tehillim, nos Shiurim, notre Avodat Hashem, elle doit être qu'en se renforçant, avec toute la difficulté que ça comporte, malgré tout, c'est un minimum. Un marchand, un marathon, la phrase la plus difficile, c'est le dernier qui dit bien sûr. Bien sûr, c'est la fin. Et Baruch Hashem. On a un spécialiste qui ne va pas faire. Baruch Hashem, on a des Hatzlachot, on a une Siata Dishmaya. On a vraiment une très grande Siata Dishmaya. Kadosh Baruch Hu, il est. Yesh Nissim, Nissim, Kol Azman. Baruch Hashem. Ici, on est. J'ai ici deux shiurim sous le coude. Un premier, c'est la page qui est devant vous. Et un deuxième, c'est celui que, si on a le temps, on le fait. Sinon, on repousse à la semaine prochaine. Si vous vous rappelez, on est ici dans un mahalach, ça fait déjà trois semaines. La teneur de ce mahalach, c'est... La semaine dernière, c'était Hanouka. On n'a pas étudié. Mais on avait étudié, au nom du Rav Tzedak Kohen Miloublin, pourquoi on ne fait pas la bracha de She'asan Nissim à Pessah et on ne la fait que à Hanouka et à Pourim. Question du Rabbi Elie Yitzhak Mberditchov. Pourquoi on fait... Normalement, on aurait dû faire She'asan Nissim là à voter, nous. À Pessah, le plus grand miracle qu'on a jamais eu, c'est à Pessah. Donc on devrait être reconnaissant envers Kadosh Baruch Hu. À Pessah, des miracles qui ont été faits pour nous. Malgré tout, on voit que cette bracha-là, on l'a réservée pour Hanouka et Pourim. On n'a pas tellement vu le miracle. Pour Pourim, c'est évident qu'il n'y a pas de miracle et que le miracle apparaît qu'en filigrane. Et c'est en fait une succession d'événements. Excusez-moi. Une succession d'événements qui nous fait croire qu'il y a eu... On voit Yad Hashem, mais en fait, il n'y a aucun miracle. C'est Nes Moulbash Bateva. C'est une succession d'événements qui est menée par Akadol Baruch Hu pour amener à la Yeshua de Am Israël. Et même à Hanouka, on avait dit que finalement... Le Nes de Hanouka, qu'une armée ait réussi à tuer une autre armée, c'est un miracle. C'est un miracle qui est couvert de la nature, où finalement, ça peut arriver que quelqu'un de moins fort puisse gagner quelqu'un de plus fort. Et on avait conclu en disant que la raison pour laquelle on prie, on dit « She'asan Nissim la avotenu », à Hanouka, c'est une sorte de prière. On demande à Kadosh Baruch Hu que les mêmes miracles que tu as faits à Hanouka, tu les fasses aussi aujourd'hui. Quel miracle ? Pas des miracles où tu romps, où tu casses, où tu brises la nature, mais des miracles où tu apparais à travers la nature. C'est exactement la guerre qu'on est en train de se voir. Chacun, regardez ce miracle qu'on a raconté, ce Hayal. Enfin, chaque Hayal, il peut raconter une histoire pareille. Et même si parfois ça peut se terminer d'une manière différente, où finalement il va être rappelé à Kadosh Baruch Hu à ses rangs, finalement, chacun, il a vécu des miracles extraordinaires, mais qui sont tous Moulbashim Bateva, qui sont habillés, qui sont couverts du rideau de la nature. Et en fait, maintenant, c'est la conclusion, ce que je veux dire avec vous aujourd'hui, c'est que finalement, le plus grand miracle et le miracle qui est souhaité, c'est le miracle qui est couvert par la nature. Ce n'est pas un miracle qui brise tout. C'est un miracle qui est maquillé, qui apparaît à travers la nature. C'est ça ce que je vais essayer d'étudier avec vous aujourd'hui. On a deux Bet HaMikdashot. On a Bet HaMikdash Rishon et Bet HaMikdash Sheni. Quel est le plus grand Bet HaMikdash? On a étudié, on a un Kviot de Melachim. On a étudié Bet Rishon. Bien sûr, bien évidemment. C'est normal. Mais j'ai toujours besoin de la personne qui va me donner la réponse pour rebondir. Tu t'imagines, on a toujours besoin de celui-là. Parfois. Parfois, il y a personne qui joue le jeu. Il ne veut pas répondre. J'ai besoin de celui qui est au RAN qui va me dire, non, le premier. Bien évidemment. Il y a un autre qui n'a rien à voir. Oui. J'étais étudiant. Il y a un sac dans une boîte d'informatique. Et le patron de cette boîte faisait des conférences dedans. Et ils nous payaient pour qu'on vienne poser des questions. Ça. Votre mal en rendement. C'est extraordinaire, bien sûr. On paye quelqu'un pour qu'il pose une question pour le... Excellente question. Bon, vous êtes en train de dire là.
Dis le mot. Non, il dit, bon, je me, fort de cette question, je me permets une digression majeure autour de ce sujet. Et en fait, il s'engouffre vers la question qui l'intéresse. Vraisemblablement, on aurait dit que le premier Beit HaMikdash est plus grand. Malgré tout, la névoie de Haggai, c'est que les derniers Malachim et les derniers Nevi'im étaient Haggai, Zecharia ou Malachim. C'est les derniers Nevi'im. Dans la névoie de Haggai qui était au Beit Sheni, il dit Gadol yé abayit aharon min abayit arishon. Alors, le commandement mortel explique Gadol yé abayit aharon, le troisième Beit HaMikdash. Faux! Archi faux! Gadol yé abayit aharon, c'est le Beit Sheni. Il est plus grand que le Beit Rishon. Comment c'est possible? Pardon? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qui nous amène ici. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va être plus grand? Alors, j'aimerais étudier avec vous la page que vous avez devant vous. On va étudier ça, c'est extraordinaire. Je vous ai amené... Ah, tiens, j'ai encore une page pour toi, Jérémy. Tiens. Alors, vous voyez ici dans la page que je vous ai photocopiée, qui s'appelle la page numéro 5. Regardez dans la page de droite, c'est ici une photocopie du Sefer Emma Banim Semeha. C'est 6 lignes avant la fin de la page de droite. Koach ma'asa vigid le'amo la tête l'aim nahal goyim, que l'omar ma'sar le'amo a koach la tête l'aim nahal goyim. והם צריכים להשתדל עליו. קדוש ברוך הוא, קונטוס לראשי דה לתורה, כי די, פורקו לתורה, אל קומוס פר בראשית, אל קומוס פר פרשת בו, בואו נו פרלי דה ארץ ישראל. בואו נדיר כלומון נוציא הפרטיין הקדוש ברוך הוא, אה סוטי תחילה לדרוע דה לטריבוי הקילב. סי לטריבוי ארץ ישראל, מישראל סלו רביה. מכל פסוק הוא רמן? כוח מעשה וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. La force de ses actes qu'il a fait savoir à son peuple, la tête l'aime de Halal Goyim. Dit ici, le Emma Banim Semeha, « Masar le amour à quoi la tête l'aime de Halal Goyim, ve'em tzrichim l'ishtadel alav. » La conquête de Eretz Israël doit être faite par nous. Pourquoi? C'est ce que je veux vous dire. « Gedolim ma'aseem shel tzadikim yotel mi ma'ase shamayim va'aretz. »« Kasher na'asa min bore olam en zetif artam. » Vous entendez? Si c'est Akadosh Baruch Hu qui fait un hidouche, si c'est tellement évident pour moi, ça fait tellement de shiurim qu'on répète cette idée sous différentes facettes que j'arrive pas à comprendre autrement comment on peut être holek. On sait qu'on a été mis au monde, on a été Akadosh Baruch Hu a créé ce monde pour que nous fassions, que nous agissions pour que nous arrivions à nous à dépasser le mal et arriver au bien. Il a voulu nous faire malachim, ils auraient fait malachim, ils n'ont pas fait malachim. Il veut que nous choisissions le bien. Si il a voulu que la Géoula elle vienne par lui, que subitement il décide d'ouvrir le ciel et qu'il y a le Mashiach qui arrive. Excusez-moi. Ça sert à rien. Finalement, pourquoi tu nous as fait attendre 5700 ans? Puisque finalement, la fin de l'histoire, c'est que c'est toi qui vas intervenir pour faire la Géoula. Donc, c'est... Hasv shalom, c'est une italelout. Mimay nafshach. Si tu pouvais la donner, si de toute façon, on n'est pas méritant, alors donne-la depuis le début. Et si il faut qu'on soit méritant, alors c'est nous qui devons être méritants et la causer, les holelota, lui donner vie. Lui donner, arriver à faire arriver cette Géoula, ça va venir de nous. Donc finalement, c'est sûr que Yetziat Mitzrayim ou Beit Sheni, qu'est-ce qui est plus grand? Beit Sheni. Parce que le deuxième Beit HaMikdash, c'est Ezra qui dit il faut monter. C'est Am Israël qui monte. C'est Am Israël qui construit le Beit HaMikdash. C'est Am Israël qui fait la guerre. C'est Am Israël qui se dispute contre Koresh pour réussir à faire une malchoute. Mais quand on était au Yetziat Mitzrayim, qui c'est qui a agi? C'est Akadosh Baruch Hu, il a tout fait. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai subi, je dis de toute manière, j'ai subi la sortie d'Égypte. J'ai rien fait. C'est ça le but du monde? C'est ici ce qu'on va lire tout de suite. Comme un bébé. C'est quoi le hidouche?
C'est un bébé. Pourquoi on est heureux quand il y a un bébé? Pas pour ce qu'il a maintenant. Pour ce qu'il y aura plus tard. Parce que si c'est pour qu'il reste. L'eau à l'échem et l'eau à la faire. Un enfant qui a un retardement, qui n'arrive pas à évoluer, c'est une catastrophe. S'il reste bébé, on est très heureux pour un bébé parce qu'on sait qu'il va avoir 20 ans et qu'il va agir et qu'il va faire. Mais si il est coincé à 2 ans, ce n'est pas une bonne chose. On est très malheureux parce que qu'on s'occupe de lui, qu'on le prenne sur les épaules, qu'on lui donne à manger, c'est une situation qui est préparative d'une prochaine situation. Etziat Mitzrayim, c'est comme on a été mis au monde. C'est très important. On fait Pessah. C'est Akadosh Baruch Hu qui a tout fait. À tel point que Etziat Mitzrayim, on a dit, on ne dit pas le Hallel tous les jours. Pourquoi? Parce que les Mitzrayim sont morts. C'est une question, on va poser une question chez la table. Et Hanouka, on dit Hallel tous les jours, oui. On a tué les Yévanim? Oui. Quelle différence quand on a tué les Mitzrayim, qu'on ne dit pas le Hallel tous les jours? Et quand les Yévanim, on dit le Hallel tous les jours, même si on les a tués. On dit, oh non, la Géoula, elle n'est pas Shlema quand on doit tuer quelqu'un. Mais les Mitzrim, on les a tués, donc on dit le Hallel abrégé. Et à Hanouka, on dit le Hallel complet tous les jours. Quelle est la différence? Dans le Hallel de Pessah, on n'était pas méritant, c'est Akadosh Baruch Hu qui a tout fait. Akadosh Baruch Hu, il nous a sauvés. Goy Mikirev Goy, pour le Hatid, pour ce qui va sortir de nous. Mais au moment T où ça s'est passé, on n'était pas très méritant. On était à la loi Avodazara, on était idolâtre, on était avalé par le Tarbout de Mitzrayim. Par contre, au temps des Hashmonaïm, on a choisi le bien, on était méritant. Les Hashmonaïm étaient courageux, ils étaient tzadikim, les Sha'im bi'at tzadikim, Tmeim bi'at teorim. On va dire qu'on ne peut pas dire que les Mitzrim, que les Yévanim et les Juifs, c'était les mêmes. Pas du tout. C'est nous qui avons agi. Il y a deux différences. D'abord, qui était la différence entre nous et l'ennemi? Ensuite, qui a agi? Dans le cas de Etienne Mitzrayim, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a tués. Donc, dans la Madrigal d'Akadosh Baruch Hu, le Tikkun HaKol, qui le Tarpos de Motamet. Mais quand c'est nous qui agissons, Akadosh Baruch Hu, il attend de nous que nous nous attaquions à la méchanceté, au mal, que nous éradiquions le mal. C'est ça notre mitzvah. On dit le Hallel, Bevadai. Non seulement on dit le Hallel, mais on dit le Hallel Gamour. C'est pas par rapport au métrique, c'est pas par rapport qu'il y a eu des morts. Bah, c'est pour ça que même s'il y a eu des morts avec les Evanim, c'est une mitzvah, il fallait les tuer. À l'image d'un Kohen qui a fait un accident de voiture et qui a tué quelqu'un, il ne peut plus faire Birkat Kohanim. Mais si c'est un Hayal et il a tué quelqu'un, il peut faire Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce que quand il tue quelqu'un, c'est une mitzvah. On n'est pas à Yehuda Europei de dire que tuer quelqu'un, non, c'est la même chose. Non, quand on tue, qu'on fait la guerre, c'est une mitzvah. Comme ce qu'on a dit peut-être une dizaine de fois, que notre guerre, elle est contre la guerre. Notre guerre, elle vient réparer les guerres. Notre guerre, elle vient pour qu'il n'y ait plus de guerre. On vient éradiquer le mal. C'est une mitzvah de tuer les Réchaïm. On ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui a tué, qui a fait un accident de voiture, qui a tué un innocent. Ben, en fait, c'est un problème. Des mains qui ont tué, même de manière par inadvertance, elle ne peut plus après bénir. Mais des mains qui ont tué quelqu'un qui veut du mal, à l'image de Pinhas, qui est devenu Cohen grâce au fait qu'il ait tué quelqu'un. Il est devenu Cohen parce qu'il a tué. Quand on doit tuer, on sait tuer. On a besoin de nous élever. On a besoin de nous agir. On a besoin de nous élever la métiote pour agir. D'où l'importance très grande de Am Israël, de Tzal qui fait la guerre. Et pas qu'il y ait un tsunami qui vienne sur Gaza. Parce que le tsunami, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait. Mais Am Israël qui agit, c'est nous qui rendons le monde meilleur. C'est nous qui nous élevons à vouloir le bien et à éradiquer le mal. C'est ça la volonté. Mais non, ça c'est quelque chose de très important. Il y a une guéguerre du Rav Kook qu'il a écrit au Rav Leintop, qui était Migdolé HaMekoubalim. Et il lui dit là-bas hein, que malgré tout, même si maintenant, comme je vous ai dit, entre guillemets, on comprend aisément l'importance, qu'on va le lire tout de suite ici, à travers des méchalim très importants, on comprend l'importance
de notre action, pas que Kadosh Baruch Hu il agisse, qu'il nous impose. Kadosh Baruch Hu, malgré tout, il n'est pas à la merci d'aucun schéma. Il peut décider de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que même si on comprend que la Géoula doit être Bederech HaTeva, peut avoir ce qu'on appelle des kfitzot. Des kfitzot, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, parfois, il peut faire un saut d'ange. Il peut au milieu nous faire... Attention, c'est nous qui agissons. C'est nous qui menons la danse. Mais il peut parfois nous faire... C'est quelqu'un, il est promu. Comment ? Al Tishal. Celui-là, il est parti. Il a été muté à Las Vegas. Celui-là, le Alechem, il est tombé malade. Il est sorti. L'autre, il est parti à la retraite. J'ai été promu, j'ai sauté. 4 niveaux, je suis devenu directement. Ça peut arriver. Mais dès l'air à Teva, il peut y avoir aussi parfois des sauts, des dilugim. Il peut y avoir des dilugim. Mais le Yesod de la Géoula, il est Bedelech HaTeva. Parmi ce Bedelech HaTeva, il peut y avoir parfois aussi des Dinugim. Et c'est ce que nous avait dit le Rav Tav, Shema Alav Yehi, avant Rosh Hashanah, ce que je vous l'avais dit aussi. Le Shiur d'avant Rosh Hashanah, Tavshin Pedalet, je vous avais dit que Tavshin Pedalet, Tehe Shnat Pritzat Derech. Pedalet, c'est Pritzat Derech. Il y aura dans Shnat Pedalet une Pritzat Derech. Et encore dans Masuma Souka, il y a des élèves de Ramat HaSharon qui étaient assis avec moi, je leur ai dit ça. Je dis, Rav, ce que tu nous décris, tu me parles du postmodernisme, tu me dis comment tout est virihos, oreret, umsu, geret, en yotse, venba, tout paraît tellement noir, avec un tel pessimisme, tout est tellement verrouillé. Et comment on peut sortir de ce carcan qui nous est imposé? Je lui ai dit, teishnat pritzader. C'était 2 jours avant Simhat. C'était jeudi, quand Simhat Torah était Shabbat Kayado. Et là, il peut faire des kvitzot. Il peut y avoir des choses inattendues qu'on ne s'imagine pas. Et par cet acte-là, il y a un changement, une métamorphose de toute la Ouma. 2 jours après, bon, ça fait presque 80 jours qu'on est en train de se métamorphoser. La Ouma entièrement. Donc c'est quand même Dieu qui a initié le PAR. Oui, mais qui c'est qui choisit de le faire? La preuve en est. Regarde toutes choix, ces... Attends, mais d'abord, tu n'écoutes pas la tikchorette? Tu ne les entends pas encore, ceux qui ont le micro? Combien ils nous intoxiquent avec des choses tellement fausses et avec des mensonges et avec des idées fausses et qui n'ont pas encore changé le disque, comme on dit? On a toujours la possibilité de choisir ou de rester dans la tfissa qui précédait ou de changer. Tu vois bien que la majorité du peuple a choisi. C'est nous qui avons choisi. Ce n'est pas Kadosh Baruch Hu. Le Rou, il a peut-être fait ce que le saut que j'ai ici suggéré, c'est Bederech HaTeva. Mais sauf c'est nous qui choisissons. Il peut y avoir parfois, ce qu'on aime bien dire dans ce shiur, un trigger. Il peut y avoir quelque chose qui déclenche. Mais finalement, c'est moi qui décide. Est-ce que je veux ou je ne veux pas? Il y en a qui sont restés minégen. Écoute, Réchet Bet, il y a Fchali Shmot. Il faut que je m'entende que tu l'aurais gagné. Encore, ils sont pas mal, Réchet Bet. Écoute, Daruti, ça fait alors, je fais talan et muron chaud chez le lazé. Contre la guerre. Non, ben, en fait, ils font peur. Les petits tabletteries, ils font tout pour te faire peur. Tu vois, alors, l'article, les gros cotarots, tu vois ça, tu as une race rat. Non, c'est pas ça. C'est comme s'ils racontent quelque chose d'autre de ce qu'on vit. Bah, au Hachem, on est Bétor, Ami, Anochi, Oshavet. Olivier, il va te raconter qu'il est parti soutenir les Hayalim, qu'il voit comment le peuple, il limite en rare. Tu vois, Eshba Enaim, la Neshama qui est pour Etzet. Et il y a quelqu'un qui te raconte une autre histoire, qui te parle. C'est comme si tu as 10 000 personnes et il y a une manifestation avec exactement. Il y a un sefer qui s'appelle Andasat Todaha, un monsieur Hanan Amior, qui dit qu'il y a une manifestation avec 30 000 Américains en soutien pour Benjamin Netanyahu et Medinat Israël. Et la télé israélienne va décider de faire un reportage sur les 3 personnes timonim qui prennent le drapeau de la Palestine et les chassidim de Satmar ou de je ne sais pas quoi. Et tu fais un reportage de 20 minutes. C'est faux? C'est pas faux, c'est vrai. Mais il y a 30 000 personnes, il y a 3 personnes. De qui tu décides de parler? Tu comprends? C'est pas que ça n'existe pas, il y a toujours quelqu'un qui peut décider. Mais c'est comme s'ils décrivent un monde parallèle qui n'existe pas. Les Hayalim, quand ils sortent, tu leur parles, ouais, tu sais, les Hatoufim Dichma, je viens d'un autre monde. Moi, j'étais pendant 3 semaines, je ne me suis pas douché une seule fois. Je suis détaché de toutes les informations et de tout. Moi, je peux te dire une chose. Esh Ba'enaim, il y a une gvoura extraordinaire de tous les Hayalim qui sont prêts et une cohésion extraordinaire pour le peuple, pour la Ouma, Shema Israel, Shema Elohim, Shema Echad.
ce que vous, on vous raconte, c'est quelque chose de parallèle, d'imioni, qui n'existe pas. C'est une histoire qu'on décide de vous raconter qui n'existe pas. Qui existe, mais qui. Tout dépend comment tu l'as. Qui est à fait le bon rapport au écart. Voilà. Tu prends le site, ça c'est un truc vraiment qui m'a marqué depuis le premier mois. Tu prends le site et le HTML5, ils ont les deux des infographies. Sur le site NHTMSRL, les infographies, c'est ça, sur le nombre de catastrophes, de ceux qui ont été tués, de ceux qui ont été échangés, de ceux qui sont morts, etc. Le nombre de morts et le nombre de TILI qui sont arrivés cette dernière semaine. Tu vas sur ArbaSRL, je ne fais pas que sur ArbaSRL, mais je peux te montrer la différence de trucs. Tu vas voir le nombre de bâtards qui ont été bombardés à Gaza, le nombre de crabes qu'on a tués, etc. C'est juste une différence de. Comment tu. Les deux infos, elles sont vraies, Martin. Donc tu comprends ici que le libre arbitre arrive. Il est encore là. Il y a eu ici un événement. Comment on réagit à cet événement? Il y en a qui va se polariser sur le mauvais côté. Il y en a qui va se polariser sur le bon. La majorité, elle se polarise sur le bon. Il nous a déclenché ici une possibilité d'embraser cette neshama qui a été étouffée par tellement de dérot kozvot velon effondrement. Si je comprends bien la différence entre à l'époque où Akadosh Baruch Hu poussait des voilets en brisant les voies de la nature, ça nous enlevait le. D'une certaine manière, on n'avait pas tellement de libre arbitre. Mais libre arbitre, il a été en tout cas beaucoup plus limité, puisqu'il a toujours existé. En fin de compte, il n'y a qu'un de cinquième qui sont restés en Égypte. Mais il a été. C'est pas la même chose d'avoir le libre arbitre quand on voit Moshe Rabbeinu, comme ceux qui veulent te dire moi, si j'ai Moshe Rabbeinu, je fais Teshuva tout de suite. Mais il ne viendra pas, Moshe Rabbeinu. C'est toi qui décides. Tu fais maintenant ou tu fais jamais parce qu'il n'arrivera pas. En tout cas, pas maintenant pour toi, pour te faire faire tes chouvas. Je pense pas, du point de vue, si je peux me permettre de parler comme ça, d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas plus fort une intervention qui vient de son fait. Mais non, pas du tout, c'est ça. C'est plus fort peut-être, à nos yeux, c'est un plus grand miracle. Mais c'est moins fort par rapport au but de l'humanité, au but du monde. Le but du monde, c'est que nous soyons meilleurs. Nous arrivions à devenir meilleurs, que le monde devienne meilleur. Et comme ce qu'a dit le Rambam, le monde est devenu meilleur depuis 2000 ans. C'est l'action de la Torah. Il y a des hôpitaux, il y a des Gemilut Hassadim, il y a énormément de choses, des choses qui n'existaient pas il y a 1000 ans, elles existent maintenant. Toutes ces choses-là qui sont pour aider, toutes ces choses-là pour pouvoir soutenir, c'est des choses qui n'existaient pas avant. On a maintenant une Hevra de Gemilut Hassadim. Bitoah Leomi, Hevra de Gemilut Hassadim. Mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a beaucoup de sigim, beaucoup de choses qu'on a améliorées. C'est comme ça, les coups que l'humanité et que les Juifs en particulier se sont pris. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas justifier. On a dit, dans notre chiot, on a dit plusieurs choses. Et c'est-à-dire là que d'un un maître d'école, s'il veut éduquer sa classe, il peut le faire. Mais il y a Kachar, il y a de Raka. C'est vrai, là. On a dit dans nos chiorim, Aroé umot mitgarot zobazo itzpe le ragle mashiach. Quelqu'un qui voit des nations qui font la guerre, il faut attendre que le groupe prépare la venue du Mashiach. On a dit, je te dis Bekitsur la Kitsurim, que c'était l'issue de la Première Guerre mondiale, c'était à Hatzarat Balfour. Vraiment, il n'est rien sorti de là-bas, des millions de morts, mais qui n'ont fait rien avancer au Schmilblick. Mais s'il y a une chose qui est arrivée, c'est le Rav Kook qui était coincé en Suisse, qui a dû partir à Londres. À Londres, il a parlé avec M. Rothschild. M. Rothschild a parlé avec M. Balfour. Et ils ont réussi à faire Hatzarat Balfour. Hatzarat Balfour, elle était après 1917, 1918, 1919, après la Première Guerre mondiale, qui a finalement abouti sur décret de San Remo, qui est le fait d'entériner Hatzarat Balfour. Et on a un droit au peuple juif d'avoir une terre de refuge qui est la terre de Palestine. Je vais me dire. Comment on explique, c'est cruel, c'est pas cruel, c'est pas ça mon sujet. C'est des millions de morts pour rien, c'est pas ça mon sujet, je sais pas expliquer ces choses-là, je pense que personne ne sait expliquer. Mais on sait, après coup, voir des talichim historiques,
on sait lire les lettres de l'histoire et savoir quelle est la mégama. La Deuxième Guerre mondiale, elle a abouti sur Médinat Israël. Est-ce que c'est à cause, est-ce que c'est pour, peu importe. Ça a abouti sur Médinat Israël. Le Rav Kook explique dans Orot HaMilhama que tout ça, c'est quand c'est Umot, Mitgarot Zobazot. Et quand c'est Am Israël qui est dans la guerre, c'est pas Raglé Mashiach, c'est Mashiach Mamash. Raglé Mashiach, c'est les choses qui amènent au Mashiach. Finalement, on a eu toutes les choses qui ont amené au Mashiach. Mais quand Am Israël, il est Mi'ouré, Mi'ourav, il est concerné de manière active, c'est pas Raglé Mashiach, c'est Mashiach Mamash. Et on voit que chaque guerre, la guerre des six jours, elle nous a amené Yerushalayim. La guerre qu'on voit maintenant, elle est en train de changer l'identité de la Ouma. De, comme ce que j'ai lu, j'ai entendu que M. Benjamin Netanyahu voulait appeler cette guerre Milhamed Bereshit. Zemetsuyan. Milhamed Bereshit, Zemetsuyan. Bereshit, Zereshit Hadasha. On commence une nouvelle ère. Oui, lui, il a dit ça parce que ça sonne bien en anglais. The War of Genesis. C'est pour ça que c'est la raison de Netanyahu. Aval Niba, Veeno Yoder, Maniba. Tu comprends? C'est Bereshit. Zénachon, on a maintenant une nouvelle identité. Parce que la bagarre, ce qu'on vit depuis 50 ans, c'est qu'on devient étranger à notre propre identité. Étranger, on ne sait plus pourquoi on fait la guerre ou si on doit faire la guerre. On n'a même plus de justification pour faire la guerre. On a réussi à nous raconter l'année dernière que les gens ne viendront pas faire la guerre. Et que le narratif de la gauche qui dit « il n'y a plus de motivation pour la guerre, il n'y a plus de motivation pour Zalit Gaïez Betzal ». Et finalement, on voit exactement l'inverse. 200% de personnes qui veulent « et il y a trop, revenez à la maison ». Des gens qui supplient d'être reçus et qui n'ont pas été reçus. L'engouement, la passion du Oref avec le Hazit, quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'on pourrait résumer en fait que Dieu veut qu'on soit actif plutôt que passif? C'est seulement ça, oui, mais pourquoi être actif? C'est ce que je vais essayer d'étudier avec vous. Bien sûr, il veut que ce soit nous qui organisions, qui mettons au monde la Géoula et pas qu'elle nous vienne comme quelqu'un qui vient sur un tapis rouge et qui nous dit c'est la Géoula. Parce que le tikkun de la dernière Géoula, c'est que le monde devienne meilleur. Et le monde devienne meilleur par nous. Que si finalement c'est lui qui le rend meilleur, ben ça ne servait à rien. Pourtant, moi, j'ai étudié, je ne sais plus avec qui à l'époque, que la Géoula est aussi un héritage de ces Géoulas. C'est-à-dire que même si en fin de compte, le peuple ne serait pas méritant, la Géoula, elle viendra. Comment c'est Marocain de Bioshara Bélezer dans Sanhedrin. Et qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui disent ça ne dépend pas de la Géoula. La Géoula ne dépend pas de la Teshuva. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, hé là, écoutez bien. Si Olivier fait une bonne remarque. Et Marloquet, est-ce que la Géoula, elle dépend de la Teshuva ou non? Est-ce que pour voir la Géoula, il faut avoir la Teshuva ou non? Mandama, est-ce que si on fait Teshuva, qu'il y a la Géoula? Deuxième Mandama, même si on ne fait pas Teshuva, il y a la Géoula. Attention, il dit. Et là, Ma'amid, Alehe, Melech, Kaché, Kehaman, ou Miyad, Hozrim, Bichuva. Je n'ai pas compris. Donc finalement, il faut faire Teshuva dans les deux cas. Oui, mais dans un cas, on aura fait la Teshuva et viendra. Dans un autre cas, on nous forcera à faire la... Mais finalement, la Géoula, elle ne vient pas si on reste tel qu'on est. La Géoula, elle ne viendra pas. La Géoula, ce n'est pas un tapis rouge qui arrive et finalement, voilà. Par exemple, j'ai beaucoup de respect et d'amour pour les Français. Moi aussi, j'en suis un. Je suis venu de France. Mais il y a une discussion très importante, très philosophique. Et quelqu'un, il termine, il dit « Bon, ma mage, c'est Emot HaMashiach. » Non, ce n'est pas bon, ça. Quelqu'un qui termine comme ça, c'est une catastrophe. Parce qu'on n'a pas du tout l'envie de sinon est annoncé. Mais Mot HaMashiach, ça veut dire quoi pour quelqu'un en général? Ça veut dire qu'on est dans un broch terrible. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne, Tishvi et Faresh Kushat Ubariot, qui arrange tout ça. Comme si la Géoula peut venir que d'un autre endroit. La Géoula, elle viendra d'un autre endroit. Si nous nous élevons, la Géoula, le Mashiach viendra, il ne vient pas régler les problèmes dans nos occupations qu'on est. Finalement, il y a le Mashiach qui arrive, on lui dit non, c'est quoi? J'ai le mariage de mon fils demain, viens dans trois jours, c'est dans ma timné. La Géoula, c'est Iloui chez la Olam. C'est le monde devient meilleur. Le Beth Amikdash vient et arrive comme une couronne sur la tête d'un roi. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel en feu au milieu de rien. Non, c'est quelque chose qu'on a engendré, quelque chose qu'on a créé, quelque chose qu'on a réalisé par nos actes, par notre Sidkout, par notre Philot, par notre Torah, par notre Moussar, par notre poursuite du mal,
par notre volonté de vouloir faire apparaître le bien. C'est ça, la Géoula. Avec ça, alors, il peut parfois nous aider, comme ce qu'on a dit ici. Il est intervenu. Il a fait ici, je peux dire, ils ont eu Sirata d'Ishmael, ils n'ont pas eu Sirata d'Ishmael, tu diras ce que tu voudras. Finalement, on a eu une Pritsa Derer. On a eu un tremblement de terre. C'est dans la voiture, là. Mashéaya ou lo Mashéye. Mashéaya ou lo Mashéye. C'est, on a une Pritsa Derer, on a changé. Les Arachim, c'est ça, en fait, il faut comprendre que la vraie Milhama, c'est Milhama Badar. J'espère que vous l'avez compris, que je ne vous dis rien. Que la vraie Milhama, elle n'est pas là-bas, à Gaza, parce que c'est sûr, on l'a déjà gagné la guerre quand on a fait un JO. La guerre, on l'a gagnée déjà 2 mois. On sait qu'on a gagné la guerre. On l'a gagnée quand la Toda'a de la Ouma, elle change. Et la question, c'est comment faire perdurer cette conscience. Ça va durer, il faut avoir la Emouna, cher ami Thierry. Anachno Chayavim. C'est décourageant. Et ça va faire... Pour que tout le monde s'y mette, c'est-à-dire que voilà, il y a une partie qui s'y met, mais il y a une grosse partie qui ne va pas s'y mettre. Mais alors, la Géoula, cher ami Thierry, je suis d'accord avec toi à 100%, mais tu sais pourquoi Boaz, tu sais pourquoi Boaz, c'est lui qui a été le père de la lignée du Mashiach? Parce que celui qui était plus grand que lui, Elimelech et ses deux enfants, ils ont vu le dehors des chauffiers, mais ils ont dit, tu vois ce que je vois, Marlon, tu vois ce que je vois, Khilian? Ouais, on déménage, on va à Flatbush, à Brooklyn. Là-bas, ils sont plus religieux. C'est idéal. Ils sont plus tzadikim. Il n'y a rien à faire en Eretz Israël. Ils sont partis. Ils sont morts. Pourquoi? Parce que Loé et Minou Bageoula. Yehush, Yoash, Sheitiashu Minageoula. Mahlon et Khilion, il s'appelait Yoash, Sheitiashu Minageoula. Boaz, lui, par contre, qu'est-ce qu'il a fait? C'était nos Shiurim. On a fait, ça fait déjà 6, 7, 8 ans qu'on étudie ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Boaz? Il a marié 30 garçons et 30 filles. Ça veut dire quoi? Ça intéresse qui l'a fait marier? Il a continué à construire. Il a marié ses enfants. Il est resté en Eretz Israël. Il a agi, il a fait. Il a dit, ce dor-là que je vois, qui paraît défiguré, il paraît qu'on n'a rien à tirer de lui, il faut Avodah Zara, c'est de ce dor-là que va sortir la Géoula. C'est ça ce qu'on doit avoir. Cette Emouna, et la Emouna que tu as, c'est elle qui engendre cette Géoula. C'est aussi qu'il y a une Emouna qui n'est pas seulement statique. C'est une Emouna qui engendre. Et elle n'a pas besoin d'avoir. Mais il faut qu'on arrive à un stade de 100%. Non, c'est ça. Yeah, c'est des la Géoula peut arriver quand il y a une route comme ça, mais s'il reste encore 70% du peuple qui. Mais non, mais regarde ce que tu. On parle pas. C'est quoi? On parle d'une reconnaissance de notre identité. À partir du moment où on a compris que Am Israël est revenu après 2 millions de galoutes, pour devenir Ram Segula Mikola Amim et pour avoir accomplir, si on se dispute et on se sacrifie et on fait la guerre, pas pour être ce qu'on aurait été en Ouganda, mais on est là parce qu'on doit être le peuple juif, le peuple choisi par la Kadosh Baruch Hu. Ben, cette chose-là, c'est l'ouverture pour ensuite construire une maison entière. Alors là, c'est ça ce que Olivier nous raconte, les gens non religieux. Ben, ils disent Shema Israël, le feu dans les yeux, ils pleurent, ils te supplient. En fait, c'est la première guerre où ce n'est pas uniquement de la défense ou de la survie, c'est aussi tout le monde la conscience que, c'est la guerre du bien contre le mal. C'est-à-dire qu'on a tellement vu le mal devant nous, pour la première fois, on peut se défendre contre le mal. Et c'est vraiment ça l'état d'esprit qu'il y a chez la réalité. Et dans le pays entier, quoi. Tout le monde est convaincu que c'est une guerre contre le mal. Tout l'antisémitisme qu'on voit en plus, ça essaye aussi à voir quand on est. C'est vrai que quand tu regardes quand même ce qui se passe dans le monde, tu vois qu'il y a, je sais pas, allez, 80% du monde qui est anti-Israël aujourd'hui, ça peut. C'est pas naturel comme ça. Ouais, non, mais ça peut décourager. Quand tu vois, tu regardes les championnats, alors il y en a qui se taisent, qui sont moins intéressants, etc. Mais il faut garder les moulins par rapport à la mégama, que les choses vont changer. Parce que moi, dans la tête, toujours, j'ai hors la commune. Alors je me dis, ok, très bien, c'est vrai que nous, on tape sur le mal, on tape sur le mal, mais. Quand est-ce que ça va venir quand est-ce que le monde va reconnaître que ce qu'on fait, c'est vraiment précurseur? Mais c'est maintenant le fait qu'il nous déteste, qu'il soit tellement sa voix et tellement aveugle quand il s'agit d'Israël, ça veut dire qu'ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent, on les dérange. Ils attendent de toi, ouais. Ils sont au-delà de toute proportion. Bien sûr. Exactement. Sauf que ce n'est pas exprimé. Ce n'est pas exprimé, mais. Ce n'est pas reconnu en tant que. Bien sûr.
C'est comme dans Harry Potter, la relation entre la sœur, entre la tante et la mère de Harry Potter. Elle est toujours en train de la défoncer, genre de la haïr, mais en fait, elle l'admire. Mais c'est le même principe. C'est exclamatoire. C'est Kéline. Alors, Bouteille, venez, on lit maintenant. C'est évident que le fait que nous soyons la conscience de l'humanité, ça a changé. Hein, c'est ça ce qui leur donne. Ce qu'on a dit plusieurs fois, cette idée que les Ukrainiens, les Tsarénos, ça n'intéresse pas grand monde. C'est ça qui est fou, en fait. Et l'Arménie, ça n'a pas intéressé grand monde. Et la Syrie, ça n'a pas intéressé pas grand monde. Et ça n'intéresse pas grand monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas la conscience de l'humanité. Nous sommes la conscience de l'humanité. Ce qu'a écrit Hitler, il marchait mort. Que nous sommes, il faut tuer le dernier juif, parce que tant qu'il y aura un juif sur Terre, ils seront pour nous notre conscience. C'est toujours le Satan. Notre Satan, il sait reconnaître. Satan, il sait toujours reconnaître son vrai ennemi. Alors, je vous propose de lire ici des paroles du Rav Akiva Yosef Schlesinger. Vous en prie, soyez avec moi. C'est extraordinaire. Je vais donner ici deux méchalim. On va les lire, on va les lire tout de suite. Pour essayer de vous donner, de matérialiser ce hidouche, que le Geoula Bederech Hateva est plus grand que la Geoula Bederech Nes, il donne l'exemple de quelqu'un qui est un papa. Vous voyez ici avec moi, c'est la page d'en face, en dessous, qui est Machal le Melech. S'il veut expliquer que la Madriga que nous initions, nous engendrons, elle est plus grande que la madriga, au Kadosh Baruch Hu, il fait tout. Machal le Melech. Machal alach lishon bechadre chadarav. Ki nimtsa mentaim memshalto livno. Un monsieur, personne assez aisée, qui laisse ses affaires à son fils. Pendant 40 ans, il a tout mené, de l'âge de 25 ans à 65 ans, celui qui était le PDG. 25 ans, il dit, bon, il y a sa femme, on s'appelle Virginie, je pense que je vais lever le pied. Et je lève le pied. Je vais donner à Steven la suite des affaires. Dit ici, Machal le Melech, Shalach Rishon Behadre Hadarav, Kinimsar Bentaim, Memshalto Livno, Kakato Yerushalmi, Perikam et Rosh Hashanah, Machal le Melech, Shayelo Orlogin, un roi qui avait une horloge, un magasin de montres, Kevan Shegadal Beno, Messarolo. À partir du moment où son fils est devenu majeur, il a eu la possibilité de pouvoir gérer par lui-même, il a transmis à son fils. Mais ata kol muna hal beno levado, ki ani eshena ve'alecha adava. Je peux compter sur mon fils. Kadosh Baruch Hu dit, ani eshena ve'libi'er. Au temps du deuxième Beit HaMikdash, je peux dormir. Pourquoi? Parce que c'est Am Israël qui est maître de son destin. Quand j'étais Etienne Mitzrayim, c'est moi qui faisais tout. C'était quand on était Kegibor Milhama, Kalbouré faisait tout, on était un bébé. Comme un papa qui doit prendre son fils sur les épaules. Mais c'est temporaire, c'est sporadique, ça ne peut pas être permanent que le papa il prend son fils sur les épaules. Le fameux Hachem Ilachem Lachem, Atem Taharishun. C'était au moment où on était bébé. Mais maintenant c'est fini. Il se repose sur nous pour que nous engendrions la Géoula. On continue. כל דודי דופק פתחי לי כבר מסרתי בידך ממשלה אתה עשה בכוחך כל אשר בידך עשה וזה עלות השעה ז'וסות כלכלים שכבר הגעת לגדלות כמו כל ילד כל זמן אשר הוא קטן נושאים אותו על כתפה ונופן כי פתי ולפון שור לזפול עד אחר שנתגדל מוכרע נלך בעצמו הפרטימו היא להגרנדי imaginez vous un enfant de 15 ans il dit bon je veux devenir quand j'étais petit à 3 ans je marchais à 4 pattes il est fou on peut pas le ta'alikh, il est al-hazor. On ne peut pas aller en arrière. On était bébé. Maintenant, on a une maturité. C'est nous qui menons la barque. Écoutez bien. C'est un tana de Béliaou. Ba'atilegani. Je suis venu dans mon verger. Bizman ba'itcheni. Cher Azalakhti ba'atmin, Eretz Israël ibn Nehemia. Knesset Israël dit. Ce n'est pas Kalbokhou, c'est Knesset Israël qui dit. Je suis venu dans mon verger. Quand j'étais au temps de Beit Sheni, deuxième Beit Hamikdash, à l'arti be'atmen Yisrael im Nehemia, à chalti yareim dipshi, dit Knesset Israël, j'ai mangé mon miel
כל ההכנות היו מעשה בשר ודם, תות היטפה פרנו מהם. אני שתלתי בהגיע כפיי לעלות לארץ ישראל, לעשות לו מקדש ולהקריב. שימו כי קונסחול בית המקדש, שימו כי יפילי קורבנות. ועליו נאמר, הגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. כן, כיפי, כי פרופית וסזקת, אשריך וטוב לך בעולם הזה, בעולם הבא. וגדול הנהנה מהגיע כפיי יותר מיראת שמיים. Heureux encore, heureux est celui qui profite de ses actes, de ses, son travail, plutôt que quelqu'un qui est Irishamaïm. Asher Somer Hatzmo Al-Nissim. C'est mieux de faire nous-mêmes plutôt que de s'appuyer sur les miracles. Il s'appuie sur la Kalbachou, mais peut-être chez le Yasul Nissim. Ariti Mori, écoutez bien. Ainsi, Tili. אחת לאחת עד הגעתי אל גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון. זה כנסת ישראל שיעור על מן. ג'פה לדוזים בית המקדש כי יהיה פלוגרום כלום פרומיה. גדול יהיה הבית האחרון מן הראשון. ועד ים פרנסיפ דון הלכות מצוות התלויות בארץ עומדים. קדושה ראשונה, קדשה לשחתה ולא קדשה לעתיד לבוא. זכו יהושע בן נון, אילה קונקי. סייט זה קדוש. מלה קדושה נפה פרדורי. Qui est des, on va dire, le sud peut-être de Eretz Israël, il y a pas, il y a beaucoup de coulottes dans les Chot Shvi'it, à Dimona, à Mitzper Amon. C'est parce que c'est Kibouche, peut-être Yehoshua, mais c'est pas le Kibouche de Ezra. Par contre, Kidusha Shnia, la venue de Ezra, ce qu'il a conquis Ezra, Kitcha le Shartav et Kitcha le Atid Lavo. La Kidusha de là-bas, elle est éternelle. Pourquoi? Parce que la Kidusha Rishana, la Kadolo Ochrou qui l'a faite. La deuxième, c'est nous qui l'avons faite. Dis ici. Sinon, la comparaison, tu compares sans arrêt avec la Mitzvah. C'est-à-dire, oui, il y avait la Nevoa, mais il y avait. C'est le Mitzvah qui le construit aussi. C'est vrai, très bien. Mais malgré tout, on va dire, c'était. La Nevoa était encore parmi nous. Le Beit Sheni, il part, on va dire, il est caractéristique du fait qu'avec le Beit Sheni, la Nevoa est partie. C'était les derniers Nevi'im, ils étaient au temps du Beit Sheni, Haggad Zechariah Malachi, et il y a eu le temps de Torah Shebe Alpe. C'est quoi le symbole de Torah Shebe Alpe? C'est nous. C'est nous qui engendrons la Torah. C'est nous qui agissons. C'est ça le symbole de Torah Shebe Alpe. C'est Am Israël. Tandis que Nevoa, c'est une Ofarash Maimit. Alors c'est vrai que Beit Rishon, c'est nous qui l'avons construit. Mais finalement, les Nissim qu'il y avait au Beit Rishon, Asara Nissim, tout ce qu'on avait, finalement, on avait une providence divine qui était très grande, qui nous donne, on va dire, c'était la suite du Mahalach, on dit 480 ans, lorsqu'on a inauguré le premier Beit HaMikdash, on dit 480 ans depuis Yetziat Mitzrayim. En fait, c'est un Mahalach. Depuis la sortie d'Égypte jusqu'au premier Beit HaMikdash, c'était une seule et même continuité, avec les Moradot et les Mahalot. Mais le deuxième Beit HaMikdash, du début jusqu'à la fin, on a d'abord été détruit, exilé, et de nous-mêmes, de nos propres cendres, on a agi. De nos propres cendres, on s'est ramassé, rassemblé, reconstruit, on a agi avec les Oumot HaOlam, avec Koresh, et on a reconstruit. Alors, c'est vrai que même le Beit Rishon, on a agi, on n'était pas totalement passif. Mais ça fait partie du Tahalir de Dordéa jusqu'à d'or du Beit HaMikdash. Parce qu'il y a moins de safek en fait dans le Beit Rishon. Non, je ne sais pas si on va dire que la c'est moins en plus, on va dire la notre action, notre participation dans le deuxième Beit HaMikdash, elle est bien plus grande, on va dire, c'est mieux de s'exprimer ainsi. Notre participation au deuxième Beit HaMikdash et l'absence de la participation de la Kadosh Baruch Hu dans le deuxième Beit HaMikdash, elle est beaucoup plus grande que la relation qu'il y avait, on va dire, la relativité de cette shoot à foot qu'on avait dans le premier. Dans le premier, on était certes aussi actifs, mais on va dire la présence de la Kadosh Baruch Hu, la prépondérance des miracles, elle est beaucoup plus grande que celle du deuxième Beit HaMikdash. À ce titre, pardon, c'est pas ça le tahlit du Beit HaMikdash. Tout le but du Beit HaMikdash, c'est que justement, que la Kadosh Baruch Hu soit dedans, il réside. Oui, mais Vadaï, Maskim. Mais finalement, on voit qu'on n'a pas tenu. C'est parce que, en fait, le deuxième show que j'aurais dû faire, qu'on ne va pas faire, n'ayez pas peur, c'est que, finalement, le premier Beit HaMikdash, au moment où il a été inauguré,
Kadosh Baruch Hu, Shlomo s'est marié avec Madame Bat Paran, et Gabriel, il a planté un glaive, il a dit, Romi, qui de ce glaive-là, le krach shel Romi, l'île de l'Italie, l'île de Rome, a émergé. Et avant, on avait fait un chiur sur Saint-Denis. Avant la construction du premier Beth Amikdash, le destructeur est déjà là du troisième. C'est-à-dire que le destructeur du deuxième, on va dire notre destructeur du deuxième Beth Amikdash de Rome, le premier c'est Babel, Nebuchadnezzar, le deuxième c'est Titus de Romi qui est venu pour s'attaquer à nous. Avant que le premier soit construit, le destructeur du deuxième est déjà là. Pourquoi ? Parce qu'on savait que cette madriga n'allait pas perdurer, cette madriga n'allait pas continuer dans le temps, n'allait pas s'inscrire dans l'éternité. Dans ce cadre-là, c'est vrai que bien sûr, le but, c'est le premier Beth Amikdash. Alva et qu'on reste. On a tous nos shiurim de Menachim Alev, c'est d'expliquer comment on était au top, mais on n'a pas tenu. Être au top tout le temps, tu ne peux pas faire le 100 mètres. Allez-y, monsieur l'ami, je conclue. Hazak u baruch, leitraot. Je conclue, parce que je n'aime pas dépasser. Et ça, c'est le premier. Et donc, parce que c'est nous qui l'avons engendré. Regardez le deuxième machal, et c'est ça ce que je vais terminer. On dit dans le Passouk, dans Shir HaShirim, on dit pourquoi Kedusha Shnia, c'est plus grand ce que nous réalisons, non, plutôt ce que Akadosh Baruch Hu réalise. Écoutez encore le dernier passage. On dit dans Shir HaShirim, Nagila Venisme Habar. Dans la dernière ligne de la première colonne, Nagila Venisme Habar, écoutez bien. Le machal est très fort. Il y a quelqu'un, son papa, il le subventionne, il le Befarnes Soto, il est nourri, blanchi et logé par son père. Il rencontre son père. Le fils, heureux comme un pape, souriant, ah papa, baruch abba, il embrasse comme du bon pain et tout ça. Dit ici le machal, il est heureux de quoi ce fils-là? Il est heureux de son père, ou il est heureux aussi que son père, il l'aide bien? C'est pas clair. Il est heureux des deux. Dit, deuxième cas, quelqu'un, hein, le père, il est animaloud. C'est le fils qui tient le père. Et le fils, il rencontre son père, il dit « Ah papa, tu m'as manqué, où tu étais, ça fait tellement longtemps. » La personne qui était le père pauvre et le fils riche, sur quoi il est heureux le fils? Sur son père, ça c'est sûr. Il n'y a pas de doute, puisque c'est lui qui soutient son père. Ce n'est pas son père qui le soutient. On dit « Nagila v'nismeh habishu'ato, nagila v'nismeh habach. » Le mevukash, c'est d'être heureux et de jubiler devant Akadosh Baruch Hu, pour Akadosh Baruch Hu. Pas pour le bien qu'il nous fait. Quand on était à la sortie d'Égypte, et qu'on dansait devant Akadosh Baruch Hu, c'était pourquoi? Il nous a sauvés, il nous a tout fait. Est-ce qu'on aime Akadosh Baruch Hu, on aime sa Yeshua? Les deux. Mais c'est bien aussi la Yeshua de Akadosh Baruch Hu. Et quand il ne fait rien, c'est nous qui faisons tout, et qu'on le voit et qu'on est heureux. De qui on est heureux? De Akadosh Baruch Hu lui-même, parce que c'est nous qui faisons tout. Le deuxième Beth Amikdash, c'est nous qui faisons. Akadosh Baruch Hu participe à notre action comme quelqu'un qui regarde de loin et qui rectifie à droite, à gauche, qui te donne la force de pouvoir continuer. Mais c'est toi qui engendres. Regardez ici. Nagila nismeh habach. Le Midrash dit, bach velo bishu'atar, pirush. Im nismeh bishu'a kulam smehim bishu'a. Lochen ani samahti becha. Mashal leben. Sharei lo av ashir. Sher mahziko. Im samah likato lo nota simhato im aviv o im bimamono. Lochen, ben ashir asher lo av ani. Im samah likato az nechav kibud av mamash. Je saute trois lignes. Al kazen ema Israël shabecha et par. Gam im nidme kohi ve'otzem yadi asali et ha'il azeh. Bechol zot je saute une ligne. Nagila zeh habach im gam lo bishu'atecha. C'est ça ce que je saute ici quelques lignes. Écoutez bien. Là où j'ai souligné. Ikar sheva ve'simcha le Hakadosh Baruch Hu na'asa be'ma'ase atzadikim. Ve'lo et asher hu kivyachol asa. Ce qu'il veut, c'est pas ce que lui il a fait. Ce que nous avons fait, c'est ça ce qu'il veut. Et à ce moment-là, nous, on est heureux de regarder la fin. Et là, on sait ici une phrase terrible. Alors, c'est comme ça. Bézé, ke pesa, benzel even, ki ou anoten lecha, kohi v'otse media salet ha'il azeh. C'est moi qui fais tout, alors. Donc, on a un mirchol terrible.
Si Akadosh Baruch Hu, il attend de nous que ce soit nous qui faisions. Et d'un autre côté, il ne faut pas qu'on dise Kohi ve'otsem yadi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dis ici, écoutez bien. Yesharim, s'incline avant la fin. Yesharim darke Hashem, tzadikim ilchuvam, ve'lo yamtinu shinatrim etzem kuyim ilchuvo. Upushayim ikashuvam lemor Kohi ve'otsem yadi. Lochen ani, kos yeshuot esa, minayen asher asiti bekarmi, v'shem Hashem ikra levarcho alam. On va faire, on va vendanger, on va planter, on va semer, on va faire le vin, de chez nous, et on saura attribuer ça à la force que Akadosh Baruch Hu nous donne. C'est ça le summum, c'est que nous agissions et nous sachions attribuer la force à Akadosh Baruch Hu qui nous donne. C'est là, on est dedans. C'est ça ce qu'on est en train de vivre maintenant à travers cette guerre. Akadosh Baruch Hu a déclencher en nous cette étincelle, c'est nous qui faisons, c'est lui qui nous aide, et on a la capacité de savoir lui donner la si'ata du chemin extraordinaire qu'il nous donne. Et c'est nous qui choisissons le bien, c'est nous qui engendrons le bien, c'est nous qui éradiquons le mal, c'est nous qui agissons. C'est ça le tavnit du deuxième bait, du troisième bet amigdash mimeila. Parce que le deuxième bait, finalement, il n'a pas abouti, puisqu'il a été détruit. Donc, le troisième, on se réveille avec les mêmes travers, et c'est maintenant on est la possibilité de pouvoir réparer tous les travers qui nous ont précédés. Et c'est ça ce que nous vivons au summum avec la guerre. Et là, dans cette occasion-là, on dit à Kadosh Baruch Hu, et on prie, Be'anava, que Kadosh Baruch Hu donne la force à nos Hayalim, la Si'ata d'Ishmaïa, qu'il puisse étendre sur nos Hayalim, sous Kat Shelomo, une auréole, comme une tente de Shekhina pour les préserver, qui continue à agir. Qu'ils aient toute la siata d'Ishmaïa de réussir. Quand vous croyez dans la siata d'Ishmaïa au Roshim, de savoir aller chercher la tête de Goliath, qu'on amène la tête de Goliath à Yerushalayim, la tête de ces Arelim, Arurim, Verishaim, Sinoir, Shem Reshaim, Yerkav, Vedev, Shem Reshaim, Yerkav, qu'on amène leur tête à Yerushalayim, comme ce que David a amené la tête de Goliath à Yerushalayim, qu'on leur coupe la tête, qu'on coupe la tête du Racha, et qu'on vienne et qu'on sache dire que Am Israël, or la goïm, on vient éradiquer le mal à la planète Evel, Ken Yiratson. Shoyin Ashkava. Eshet Haimimta. Alhamdulillah. Shekel Hanavela Yofi. Shein Atanat Talal. Inulami Periadea. Yerav Shem Asia. Hamatad Hamatadiri. Yerav Yam Adin Almadate. שהלכה לבית עולמה, רוח אדוני תניחנה בגן עדן, ביתת פיל ועדן, כאילו תל המשמעה והרעה, מלך מלכה מלכה ורחם עליה, חוז יחמור עליה, נביא אליה שלום, על משכבה יהיה שלום, תהיו שלום, נחושקו אותם הולך נכוחו, היא ויכול בינות ישראל השוכבות עמה, נכנן הרחמים והסניחות, וכן יהיה רצון ונאמר, נפשה צירורה בצרור החיים, ברוך אתה אדוני, נחמור לנפשות רבות,